Merckx, lui, en a profité pour démarrer. Nous sommes à 62 km de l'arrivée et il va s'en aller en compagnie de Bockland tout d'abord, puis de Sels et de Van Springel, c'est-à-dire qu'ils seront quatre qui rapidement vont prendre la course en main. C'est l'attaque définitive. Seul Godefroot parviendra à s'échapper du petit groupe qui, à l'arrière, comprend encore Poulidor, Altig, Janssen, Jourdain et même Lucien Aymar. À l'avant, Édouard Sels est victime d'une crevaison, et précisément à la roue avant. Une deuxième crevaison à l'arrière, ce sera fini pour lui. Bockland a été lâché, ils ne sont plus que deux. Merckx et Van Springel, deux qui vont maintenant parcourir les tout derniers pavés. La moyenne n'est pas très élevée, mais le vent est tellement violent que la course en est d'autant plus difficile. Et Merckx semble voltiger, comme l'on dit, sur ses pavés. Il trouve d'ailleurs en Van Springel un compagnon idéal. C'est l'alliance de la souplesse et de la finesse. Ces hommes d'un gabarit très athlétique, mais des longilignes s'imposent au poids lourd. Et c'est dès lors le sprint sur le vélodrome de Roubaix, un sprint qu'emmène de très loin le champion du monde Eddy Merckx et qu'il va gagner devant Van Springel. Pour la deuxième fois, un champion du monde gagne à Roubaix, la troisième devrait-on dire, puisque Van Looy, deux fois porteur du maillot arc-en-ciel, a également gagné la Classic Rennes. Au classement donc, premier Merckx, deuxième Van Springel, troisième Godefroot, quatrième Sels, cinquième Van Schiel et sixième Raymond Poulidor à plus de 5 minutes et premier français. Raymond Poulidor, on va peut-être vous reprocher de ne pas avoir réagi assez vite à l'attaque de Merckx. Qu'est-ce que vous en pensez? Évidemment, on peut toujours reprocher, mais vous savez, Paris-Roubaix, quelquefois, c'est pas facile. Si on est mal placé dans les passages difficiles, après c'est difficile. Vous étiez pourtant dans une forme excellente au départ de Paris-Roubaix avec votre tour de Belgique. Oui, même tout au long de la course, j'étais assez bien, oui. Qu'est-ce que vous pensez du parcours? C'est votre jeune ami Jean Stablinski qui est à l'origine d'ailleurs de la découverte de ce parcours. Oh ben, le parcours, il était comme les Paris-Roubaix précédents, seulement il y avait beaucoup plus long de pavés. Beaucoup plus dur que les années précédentes? Plus dur, oui, puisque pour une bonne raison, qu'il y avait le kilométrage était supérieur comme mauvais pavé. Vous n'êtes pas trop déçu? On est toujours déçu, surtout au départ lorsqu'on est placé favori, mais ma foi, j'ai fait ce que j'ai pu. Jean Zablinski, vous me paraissez très marqué par ce Paris-Roubaix. Ah ben je ne sais pas si je suis seul, mais alors dis donc, les 30 derniers kilomètres, j'ai rien vu. Pourtant, vous êtes à l'origine de ce parcours, Jean. Oui, mais enfin, ça ne veut rien dire pour moi. Hein. Et c'est très difficile. Je crois quand même que c'est quand même très dur. La première question que vous avez posée en arrivant au Vélodrome, qu'a fait Poulidor? Oui, mais parce que... Oui, enfin, je comptais dessus, mais enfin, c'est quand même une place honorable, je crois qu'il fait sixième. Hein. Et vous savez, sur ce parcours, quand même, les sprinters ont quand même l'avantage. Jean Zablinski, vous avez fait de nombreux Paris-Roubaix jusqu'à présent. Est-ce que c'est le plus dur que vous avez couru? Eh bien, pour moi, c'est le plus dur. Hein. Et alors, d'après les coureurs, je pense qu'ils sont de mon avis. Si vous deviez refaire le parcours, est-ce que vous choisiriez le même? Eh bien, je pense quand même que... La preuve a été faite, c'est quand même un grand champion qui gagne et tous les plus costauds sont devant. Donc le parcours, ça prouve quand même que c'est un parcours difficile et puis c'est un parcours valable. Et maintenant Bordeaux-Paris? Oui, la condition s'améliore, la preuve, et je mise tout sur Bordeaux-Paris.